Oui, je pense que comme tout le monde, je fais ce constat de l'accélération du temps. Je pense qu'il y a deux causes essentielles. C'est évidemment les nouvelles technologies de communication qui rendent tout instantané. Du fait, la pression des médias qui pousse aussi à des réactions le plus rapides possible. Et puis, sur un autre terrain, sans doute la financiarisation du monde qui fait qu'il y a une pression financière qui, notamment dans les entreprises, peut conduire aussi à accélérer les choses. Face à cette accélération, je pense que prendre son temps n'est pas perdre son temps, surtout quand les périodes de réflexion, de préparation, de concertation. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faut anticiper au mieux, parce que anticiper, c'est ce qui vous permet de gagner le temps nécessaire pour réfléchir.